Le langage. Ah, le langage. Allons-y. Le langage, c'est l'une des choses qui déguste le plus. Alors, je vais commencer par un petit truc général pour vous donner une idée de ce que fait la télévision, globalement. Les étudiants américains passent un test d'entrée à l'université qui s'appelle le SAT, le Scholastic Aptitude Test. C'est sa partie verbale. Donc ceux qui ont un bon score, ils vont dans une bonne université. Ceux qui ont un score moyen, ben, ils vont dans une université moyenne. Et puis les autres, ben, ils vont là où il reste de la place. Dans les années 60-70, là, il était à 550, ce test. C'était la moyenne au test. Et puis il s'est effondré. Il s'est effondré en peu de temps. Il s'est effondré en moins de 10 ans. Il a perdu 10%. 10% sur un test super standardisé. Pour un exemple, c'est comme si demain, tous nos gamins... C'est comme si la médiane d'intelligence qui est à 100 aujourd'hui, demain tous nos gamins, si on les testait, ils étaient tous à 90. C'est pas négligeable quand même. Donc ils ont perdu 10% et après ça s'est stabilisé. On s'est dit franchement, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a eu plein d'hypothèses, plus ou moins farfelues, plus ou moins racistes, plus ou moins. Il y en a qui ont dit ah, les Noirs sont arrivés à l'université. Ça n'a pas marché. Ah ouais, non, c'était pas les Noirs, c'était les Hispaniques. Après c'était les femmes. Bon, les femmes, ça s'est rapproché quand même. Hein. On les connaît. Hein. Mais bon, c'était encore pas ça. Après, il y a eu les instits, après, il y a eu les livres scolaires, etc. Il y a eu un peu tout, mais rien ne marchait parce que rien ne corrélait dans le temps et rien ne se calait et tout foirait. Et il y a une psychologue. Ils sont utiles des fois. Donc, je m'en emmêle les pinceaux. Donc, il y a une psychologue qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est, le langage, il se développe tôt. Qu'est-ce qui s'est passé chez ces gamins-là quand leur langage s'est développé? Alors, celle-là, vous avez intérêt à l'apprécier parce que je me suis fait chier pour la faire. Au début, là, quand tout se passait bien à 550, il n'y avait pas de télévision dans les foyers. Et la télévision, elle est arrivée très vite. En 10 ans, elle avait colonisé plus de 90% des foyers américains. En 7 ans, elle était à plus de 75%. Pour un ordre d'idée, le réfrigérateur, je crois que c'était plus de 60 ans, la radio, plus de 50 ans, etc. L'automobile, 80 ans, le livre, plusieurs siècles, etc., etc. La télévision, c'est l'objet qui était rentré le plus vite dans les foyers. Voilà, ici c'était 30% de télévision, donc 30% des gamins ont été élevés avec la télé. On reparle de score moyen de la population, donc chaque gamin affecte ce score. Et puis ça a continué, 70, 93, et ça s'est arrêté. Et quand tout le monde l'a eu, ça n'a plus bougé. Comme par miracle. Alors, ça montre, effectivement, c'est le seul facteur à ma connaissance qui explique cet effondrement. Ça montre une autre chose, les gens me disent, ouais, franchement, moi j'ai regardé la télé et j'ai fait Polytechnique. Ok. Tous les mecs qui vont passer le concours maintenant, ils sont là. Donc forcément, il y en a qui vont l'avoir. Mais si vous comparez cela avec les pépères du haut là-bas, là, ça va commencer à être plus délicat. Voilà. Donc c'est un peu le phénomène d'effondrement du langage, de cette fameuse débat qui en sens n'a plus d'être sur le niveau baisse pas. Voilà. Donc les effets de la télévision sur le développement du langage. Pourquoi? Parce que c'est pas le tout de le dire, faut le montrer. Ça, c'est ce que nous dit l'industrie. Alors, l'autre jour, c'est une anecdote que j'ai. Donc, ce que nous dit l'industrie. L'autre jour, il y avait un gars qui était, il y avait un gars qui était au supermarché avec sa femme. C'était à Marseille. Il avait un maillot de l'OM. Tout sauf foot à Marseille. Et donc, sa femme trouve un DVD, elle le prend. C'était un truc pour le développement du langage. Elle lui dit, oh, regarde, pour la petite. Alors, le mec enthousiaste, il prend le DVD, il le retourne, il voit le prix. T'es sûr? Oh, je sens pas bien. Et là, le gars, il a pris une volée de bois vert. Gros con, y en a que pour ton foot, père indigne, etc. Enfin, moi, il se faisait fouetter dans le magasin. Donc, il a pris le DVD, il l'a mis doucement dans le caddie, et je n'ai pas vu vraiment, en toute bonne foi, que si elle n'offrait pas ce DVD, que si elle n'exposait pas sa fille à ce DVD, il y allait y avoir un préjudice pour son développement langagier. Et voilà ce qu'on nous raconte. C'est plein de poésie. Alors, c'est quelques exemples parmi d'autres, mais. Alors, Brainy Baby, là, Brainy, ça veut dire cortiqué, là, avec un gros cerveau, Brain, c'est cerveau en anglais. Alors, vous allez développer le langage et la logique. Et puis, Baby Einstein, porte bien son nom, pauvre Albert. Enrichit le vocabulaire de l'enfant à travers la beauté de la poésie, de la musique et de la nature. Franchement, vous êtes parents, vous voyez ça, vous êtes vraiment indignes si vous achetez pas le truc. Hein. Baby TV, alors les histoires et les rimes de la série Lenny contribuent à l'apprentissage du langage. Donc, voilà ce que dit l'industrie. Voilà ce que montre la recherche. Juste un exemple. Une étude parmi plein. Alors cette étude, les chercheurs se sont dit, bah tiens, on va voir si ça marche ces trucs, parce qu'a priori, ouais, why not? Donc, ils ont pris des enfants, ils sont allés dans des familles avec des enfants de 12 à 12 mois, ils ont fait trois groupes. Un premier groupe, ils sont rentrés, ils ont dit bonjour à la maman, et ils leur ont dit on revient dans un mois, salut.
Un deuxième groupe, ils sont rentrés, ils ont dit bonjour à la maman, ils lui ont filé une liste, ils lui ont dit voilà 25 mots, alors des mots de base, hein, table, chaise, tout ça. On revient dans un mois, il faut que vous les ayez enseignés à votre enfant. Salut. Un troisième groupe, bonjour madame. Voilà un DVD, montrez-le à votre enfant, ça va faire du bien à son langage. Et dedans, il y avait effectivement, alors c'était 40 minutes le DVD, franchement ils en ont bouffé les gosses. 25 mots répétés 3 fois, DVD. 5 sessions par semaine pendant un mois. Les gamins, ils ont entendu 60 fois chaque mot. Franchement, un gamin dans la vie courante, quand il entend 4 fois un mot, s'il l'a pas enregistré, soit faut lui faire greffer un cerveau, soit faut consulter. Un gamin, très vite, il apprend. Je veux dire, les mots, ça rentre, il l'entend 3, 4, allez, 5, 6 fois. 60 fois. Il n'y a pas un gamin qui a entendu 60 fois un mot et qu'il ne connaît pas. Surtout des mots courants comme table, chaise, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, quand ils sont revenus, les gamins dont les parents avaient une liste de mots à leur faire, à leur enseigner, tous ces gamins-là ont appris les 25 mots sans problème. Ceux qui avaient le DVD, ils n'ont pas appris plus de mots que ceux qui n'avaient rien fait, puisqu'on est revenu les voir un mois après sans vraiment, c'est un groupe contrôle qui n'avait rien fait, un groupe normal. Ils n'ont pas appris plus de mots que ce groupe-là. Non seulement ils n'en ont pas appris plus, mais ils en ont appris moins. On peut se dire, ouais, pas plus, mais moins. Tu charries, garçon. Imaginez la situation. D'abord, le langage, c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment c'est de l'horlogerie, c'est de l'orfèvrerie évolutive. Je ne sais pas comment appeler ça, c'est un miracle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une mère parler à son bébé. Franchement, vous vous marrez, mais alors le bébé fait ouin, puis vous avez la mère fait ouin, etc. On a l'impression au début que c'est le bébé qui imite, mais pas du tout. La première année de la vie, c'est la mère qui imite le bébé. Le bébé, il fait un bruit et la mère, elle lance la machine. Ouin, et elle se jette dessus comme une morte de faim, elle fait ouin au bébé, ça dure comme ça. Ça lui apprend l'échange, ça lui apprend les mots, ça lui apprend sa forme, l'appareil phonatoire. Là, la télévision, elle ne fait pas ça. Le bébé fait ouin et la télévision, elle continue son affaire. Et surtout, plus grave, vous avez on est très forts, nous, les humains. J'en vois au fond qui dorment, c'est pour ça que je le dis. On est très forts, nous, les humains, pour savoir où regardent nos congénères. À quelques degrés d'angle près, ou dixième de degré, on sait exactement où se porte le regard de notre voisin. C'est pour ça que si vous vous promenez avec madame dans le bus et que vous espérez tranquille pouvoir regarder la voisine, ça ne marche pas. Parce qu'on le voit. Je sais, j'ai testé. Et donc la mère, quand le bébé regarde un objet, elle nomme cet objet. Si elle regarde la chaise, elle dit chaise. Si elle regarde la table, elle dit table. Mais la télévision, vous avez la table qui sort du sol, là, dans cette... Et la télévision, elle dit table. Mais si le gamin est en train de regarder la chaise, vous pouvez toujours vous gratter. Et le coup d'après, la télévision, elle dit encore table, mais il est en train de regarder le pot de yaourt. Vous étonnez qu'après, dans les neurones, le gamin, il ne s'y retrouve plus. Donc la télévision, non seulement ça ne marche pas, mais ça ne peut pas marcher. Et ça ne peut pas marcher, et ça a des déficits. Ils ont fait une étude à long terme sur les gamins qui utilisaient ça. Une heure par jour de ces programmes éducatifs qui vont les rendre super intelligents et qui vont développer le langage et qui vont nous faire des Einstein à tous les coins de rue, et c'est 10% de lexique en moins. Il y a plein d'études qui montrent que les déficits précoces, alors c'est comme pour la lecture, mais les déficits précoces du langage, on a toutes les peines du monde, quand c'est possible, à les rattraper plus tard. Donc ces 10%, franchement, vous allez ramer et vous n'êtes pas sûr de les choper. Parce que l'ontogénèse, c'est un truc, à part pour certaines fonctions comme l'attention et encore, il faut développer le départ pour pouvoir développer la fin. Mais quand le train, il est passé, il est passé. Vous n'avez pas le deuxième, il n'y a plus de cadencement dans l'ontogénèse. C'est cadencement unique. T'as raté, t'as raté.